Bonjour à tous. Comme vous voyez, nous sommes en train de quoi? Aujourd'hui c'est le dernier jour. Aujourd'hui on va à la Médina, on va acheter des fruits et tout. Les gars, depuis que je suis à Tunis, j'ai une drogue. Le début c'est devenu ma drogue. Je t'en ramènerai. Ouais. Là j'en ai retrouvé trois dans mon sac. Wow. Bon appétit. Bon appétit. C'est super bon, Enda. Le regard dans le vide, elle ne verra pas ma belle gueule, l'odeur qu'elle dégage. Les gars, on est arrivé à la Médina, c'est ça. Et là, en gros, on va aller au souk et tout pour acheter un peu de ma des souvenirs. Bon, les gars, on va partir, on va goûter les fricassés. Ah, c'est la fricassée. Ouais. J'adore ça. C'est mon truc préféré. Il y a aussi le truc qu'on a mangé chez Talel, regarde. Ah, les marteaux. Non, c'est pas ça. Regardez, il y a du tout. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà. C'est bon? Ça pique. Ça pique. Non, il y en a pas mis. Hey, tu fais quoi? Regardez, c'est qui a fait la touriste. J'ai une fiche pour ma maman. Oh, je l'aime ici, genre. Jeu d'acteur en français. Tu es la ligne bleue. Devinez qui se retrouve encore dans un Bolt. Regardez! Surprise! Ça devient moche à force. Hein? Ça devient moche à force. Moi, ça fait moche à force. Bon, alors sur ce, Anaël a failli se faire renverser. Je l'ai choqué parce que moi, je dis dès qu'il y a un problème dans ma vie, genre dès que je te mets un truc où je peux pas écraser, genre j'attends en mode ça va me tourner. La meuf, quand il y a de la voiture, elle arrive, Anna l'a fait. De trop me bloquer, moi, je suis choquée. T'as pas pire comme luminosité par contre. Chin. Diana. Une vidéo par jour à partir de lundi. Je peux avec. Ok, chut. Jasmine. Chut. T'es où? Bon, attends, j'ai un côté de toi. Est-ce que t'as un mot pour résumer le voyage? Est-ce que t'as un mot pour les sites de pute? Super. Alors les filles, c'était un grand plaisir de vous rencontrer. J'ai beaucoup apprécié ce voyage en votre compagnie. Je suis arrivé peut-être un peu à la fin, mais j'ai beaucoup apprécié tous vous rencontrer une par une. Plus jamais il conduit. Voilà tout, merci. Dis-moi quand c'est bon. Bah c'est bon. C'est bon. Alors les filles, Tunis avec vous, c'était exceptionnel. Exceptionnel, j'ai kiffé. Mais chaque seconde avec vous. Et j'espère que voilà, j'ai tenu mes promesses avec Loan. On a vu un shot. Trop cool. Est-ce que tu peux dire un mot pour résumer ce voyage? Franchement, regarder les gens quand ils sont un peu alcoolisés, quand ils sortent, c'est incroyablement drôle. Les Tunisiens sont très serviables, très gentils, très pas comme les Français du coup. Et je me suis très bien amusée. Ces vacances sont tombées vraiment pile au bon moment. On m'a un peu trop frappée. Mais je sais que je viens de faire dire bas. Est-ce que t'as un mot pour les suites de pute? Vous allez me manquer parce que bah ils savent pas encore. Je ne suis plus à Paris l'année prochaine, je quitte l'école, mais ça veut pas dire que je quitte les suites de pute. Je quitte juste les suites de pute. Ok Olivia, est-ce que t'as un mot pour décrire le voyage? Chaotique. Beaucoup de soirées, beaucoup d'événements partout, beaucoup de trucs à suivre. Je vois des gens partout à suivre. Est-ce que t'as un mot pour les suites de pute? On a bien tenu notre dicton. Il est vrai. Les petits tubes de pute.
lutte, pour la pour tout défoncer. Un verre rêve sont bourrés, l'attitude des putes. Si, un mot pour ce voyage. Attends, tu vas réfléchir à la question. Ah, One Life. Parce que c'était tout le temps la même. C'était pas improvisé, mais c'est pour ça que c'est déjà. Et un mot pour essayer de pute. Non, mais salope, on peut plus voir. Je vous aime. Super. Ça va? Tu vas bien? Ouais, toi? Tu peux dire un mot pour ce voyage, s'il te plaît? Magnifique, clap de fin. Est-ce que tu peux dire un mot pour les suites de plus? Un mot, j'ai dit magnifique. Je rouvre le clap. C'était un voyage parfait. Et merci d'être venu, on a fait un sale truc. Ouh, papy, tu vas bien? Ok, les filles. Attends, un mot pour le voyage déjà. Bah, les filles, c'était exceptionnel. Je vous ai vu que 3 jours, mais on dirait que je vous ai vu un mois. C'est positif. Et vous allez vous manquer à Tunis. J'espère vous retrouver bientôt à Londres. Vous allez venir à Afterlife, j'espère. Tu peux dire un mot pour le voyage, s'il te plaît? J'étais super contente de vous rencontrer. Genre vraiment, vous êtes toutes incroyables. J'espère vous revoir très vite. Et j'espère que vous allez toutes réussir dans tout ce que vous faites. Et je vous dis, un mot pour résumer le voyage. Vous m'avez tué. Et un mot pour les suites de pute. J'espère qu'elles ont kiffé. Je suis crevé là, j'avais dit. D'accord. Dis-nous le mot du voyage. Oh là 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 là, moi aussi. Bah c'est pour moi alors. Bien fait. Partager. Pas de partager. Ok, un mot pour résumer le voyage. Non, après. Putain mais Anna merde. En vrai fou. Deadline. Fou. Deadline. Oh, deadline. Incroyable. Et du coup un petit mot pour. Allez parle. Et du coup Anna, le mot pour les sup. Je déteste. Non, t'as dit comme moi, c'est nul à chier. C'est qui prend des photos à la con là? Qui a fait ça? Ah si, le CMC. Non, alors là par contre, toi t'es une malade. T'as cru que je voulais voir ta langue sur mon truc. La vidéo elle va être super longue. Merci. Si je vois un flash. Vous êtes des vrais amis pour le coup. Merci. Je garde pour les mailles, celui-là je garde pour les chiens. Merci, vous êtes des vrais amis. Tunis sur 10. Tu peux être honnête, hein, c'est pas parce que t'as un Tunisien à côté de toi que tu dois mentir. Non, là, c'est mal. Non, là tu mens. Quoi? Du coup, je tiens juste à dire que j'étais la plus sage pendant ce voyage. Mais je suis très fière d'elle et qu'elle continue dans cette lancée. Mes bébés, je suis fière de vous, je suis votre coach. Continuez comme ça. Vous irez pas très loin dans la vie, mais c'est bien quand même. Un petit mot. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Cœur vert. Cœur vert, ouais. Cœur vert de ouf, mais genre fois 3, tu vois. Genre, j'ai kiffé. Attention. Allez. Dis-moi, je suis dans le roche, c'est un des propositions. Je suis une grosse star. Faut s'abonner. Non. Abonne-toi, non? Et t'actives la cloche, la notification. Super. C'est bon, je suis abonné. Attends, j'ai pas, je veux refaire mon message. Ok, vas-y. Alors, mon petit message pour ces vacances. Je répète, très stressant pour moi. J'avais trop envie de faire plaisir, qu'elle s'amuse. Parce que des fois j'en perdais une, j'en perdais l'autre. Heureusement j'étais là, hein. Mais j'ai kiffé, j'ai vu qu'elles ont kiffé et du coup bah, j'ai kiffé le fait qu'elles aient kiffé. Vous avez vu, vous avez beaucoup là, tout ce qu'il fait. Et j'espère qu'on pourra du coup dire bah. Et puis attention, pour une nouvelle aventure, c'est les suites de pute. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Bisous. Chers tous. Bah, je dois avouer que je suis contente d'avoir pratiquement tout filmé et d'avoir tenu le 1 vlog par jour. Mais je suis quand même déçue que ce soit déjà fini. Vous le savez, je suis pas très discours, pas très démonstration d'affection. Ça me dégoûte en fait. Mais je me suis dit que là, après un tel voyage, il n'y avait pas trop le choix. Alors je vous remercie d'abord les sup de pute pour toute cette année et pour ce voyage incroyable. Je remercie aussi les Belges pour toute cette année et pour ce voyage incroyable. Je pense qu'on s'est fait plein de souvenirs là. Durant toute une année et je vous remercie d'avoir croisé mon chemin. Quel voyage! Il s'en est passé des choses, hein, les amours, les amis, les emmerdes. Vous connaissez la chanson. On ressort encore une fois avec beaucoup d'anecdotes. Des anecdotes que j'ai déjà hâte de me souvenir plus tard, genre quand on sera vieille et qu'on parlera entre nous. On en a vécu des choses pendant ce voyage. On a découvert un nouveau pays, une nouvelle culture. On a découvert le continent africain. Mais surtout, plus que tout, on a découvert de nouvelles personnes. Et je crois que c'était le plus important de ce voyage en fait. Ah oui, on a aussi découvert que je regardais mal. Allez vous faire voir d'ailleurs. Je veux remercier les personnes que je connaissais déjà, les personnes que j'ai redécouvertes pendant ce voyage et les personnes que j'ai connues pendant ce voyage. Que vous ayez été là 10 jours ou un seul, sachez que vous avez marqué mon voyage et vous avez marqué le voyage de toutes les sup, je pense. Et que vous resterez à
jamais gravé dans ma mémoire. À part si j'ai Alzheimer un jour, mais sinon je me souviendrai toujours de vous. Sauf toi, Neil, sache que même si j'ai Alzheimer un jour, je me souviendrai toujours de ta conduite parce que je me suis cru dans Mario Kart pendant un instant. Sauf que c'était dans la vraie vie, avec la mort qui existe. Tu vois où je veux en venir peut-être. Au final, ce voyage, il signe un peu la fin d'un livre et le début d'un autre parce qu'il y a pas mal de choses qui changent à la rentrée. Hein. On va plus être tout à fait tout ensemble, mais ce qui me rassure, c'est que je sais qu'on se retrouve toujours à chaque voyage et je crois que c'est le plus important en fait. Et peu importe ce que l'avenir nous réserve et où nos chemins nous mènent, bah ces souvenirs resteront toujours gravés dans ma mémoire et sur YouTube du coup. Enfin bref, ce discours ça sonne un peu comme un adieu alors que pas du tout, parce que de toute façon on se retrouve bientôt en Angleterre, non? J'ai déjà hâte d'y être, mais en attendant ce prochain voyage, on peut se remémorer toute cette année incroyable et tout cet été incroyable. Alors merci pour tout, merci de m'avoir montré à quel point vous êtes des bonnes et des bons amis. Merci pour les rencontres, pour les rires, pour l'amour, pour l'amitié, pour les drames aussi. Et merci pour les souvenirs par milliers. D'ailleurs, rappelez-moi pour les prochains vlogs de filmer chaque instant, genre vraiment chaque seconde, même les moins intéressantes. Alors encore merci pour tout. Je vous aime et à bientôt. Et profitez bien de ce discours parce que je vous jure que ce sera le dernier mais de toute ma vie. Bienvenue sur mon bateau. À défaut d'avoir un mec. Et PS, n'oubliez pas qu'une grande femme a dit un jour, en tout cas la vie est belle. En tout cas, la vie est belle. Et qu'un grand homme a dit un jour, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça va devenir la nouvelle philosophie de ma vie et ça devrait devenir la vôtre aussi. Bisous. Clap de fin.